Alors bonjour à tous, ici Bob et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de PVP. Mais cette fois-ci, je ne suis pas avec mon guerrier fureur que j'ai l'habitude de faire des vidéos avec, mais je suis plutôt avec mon paladin vindicte, rétribution si vous voulez, l'aspect DPS du paladin en fait, pour vous montrer une petite vidéo de PVP avec, que j'ai récemment monté niveau 100 en plus, ce paladin. Ça fait peut-être 2 semaines que je l'ai up niveau 100. Mais je voulais pas vous faire de vidéo avec avant parce que dans le fond je n'avais aucune pièce d'armure ou presque. J'ai pris une petite semaine pour au moins ramasser quelques pièces d'armure bleue parce que sinon ça aurait fait un peu bizarre de vous faire une vidéo de PVP sans la moindre pièce d'armure. Alors c'est ça, regardez la petite transmo, je la trouve assez jolie avec le marteau, les drainailles et tout. Alors moi j'ai déjà l'arme aussi, la hache je crois, oui c'est la hache. Alors c'est ça, je suis pas aussi bon en PVP avec le paladin, la baladin, désolé, rette qu'avec mon guerrier fureur, mais je me débrouille quand même un petit peu. J'avais déjà fait une vidéo sur le paladin rétribution dans la bêta de World of Draenor en PVP, je me débrouille quand même bien. Alors c'est parti, nous sommes dans la map l'œil du cyclone, qui est une map que j'apprécie beaucoup. Oui c'est ça, que j'apprécie beaucoup. Et aussi, bientôt je vais faire une vidéo pour les 100 abonnés parce que là déjà ça fait 100 abonnés que j'ai. Ça peut paraître pas tant que ça, mais en fait moi je trouve que c'est beaucoup pour moi. C'était un peu comme mon but premier quand j'étais arrivé sur YouTube. Mon but premier c'était d'avoir 100 abonnés. Et bien je l'ai atteint, là mon prochain but ça va être peut-être 200 ou même 500, quelque chose du genre. Bon là qu'est-ce que je fais ici? Je sais pas là. Je devrais pas aller l'autre bord. Alors ça je disais, moi et Bogodio, qui est un de mes anciens collègues de chaîne, il a accepté de faire une vidéo. Il a accepté de faire une vidéo de spécial sans abonnés avec moi et ça va être une surprise. Ça va être drôle. On va pas. Ça va être une drôle de vidéo. Ça va pas être une vidéo très professionnelle, mais bon, ça va être rigolo. Pour fêter nos 100 abonnés. Alors là déjà ici on avait un guerrier que je sais pas trop ce qu'il faisait. Bon là on fait un peu de la merde, là on va aller mid pour les aider un petit peu. Tiens toi. Tiens. C'est un quoi ça? Ouais, voleur. Bon ici je pense pas qu'ils ont vraiment besoin de mon aide. Oh, il y en a un en bas. Oh non! Oh, phew! Oh, putain! Oh, un orc. Tiens-toi. Bon, vous voyez, je fais pas tant de dégâts que ça, surtout que je suis vraiment unstuff. J'ai quelques pièces d'armure. Oh, phew, j'ai fait tomber. J'ai eu de la chance. Tiens. Ça, je suis vraiment un stuff. Je pense que j'ai genre 7 pièces d'armure. Ah, yes, ok. Je pense que genre 7 pièces d'armure, c'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est un bon début. On peut reprendre notre monture. Mais c'est ça, je vais faire aussi plusieurs autres vidéos de PVP avec ce paladin-là. Ça va pas être la dernière, c'est plutôt la première d'une longue série comme j'ai fait avec mon guerrier fureur. Mais ne vous inquiétez pas, je vais continuer à faire des vidéos avec mon guerrier fureur, c'est sûr. Je suis pas encore stuff maximum, même à ça, même si je suis stuff maximum, je vais continuer à faire des vidéos dessus, c'est un peu ça le but. Bon là déjà je vais battre. Je sais pas si je devrais m'en aller, je suis pas trop sûr. Ah, puis je vais rester. Tiens, on va s'éteindre un peu. Ok, c'est bon. Ah non, on a un ami. Oh non, on a 2 amis. 3. Bon, ok, ben, je peux m'en sortir, je crois. Et désolé si je parle un peu avec le nez, c'est que j'ai un rhume. Ouais, ça fait que j'ai un rhume, désolé si je parle un peu avec le nez, mais il fallait que je fasse une vidéo. Surtout que là, c'est la semaine de Pâques, nous, au Québec. Dans les écoles privées, si on appelle ça comme ça, c'est comme des écoles qu'on doit payer plus d'argent pour aller, pour y aller. Avec un meilleur encadrement et tout. On a une semaine de congé complète à Pâques, alors ça fait toujours plaisir et on peut
justement, ça me permet de faire des vidéos pendant cette semaine-là. Il fallait vraiment que je vous en fasse une. Et justement, je crois que ce soir même ou demain, moi et Bobody, on devrait faire la vidéo spéciale sans abonnés. Bon, là, déjà ici, on va lui mettre notre verdict final, je crois que ça s'appelle. Ou non, condamnation à mort. Je pense que le petit marteau qui va par en haut, c'est condamnation à mort. Ce qui est le fun avec ça, c'est que ça peut faire des dégâts et te heal. Fait que si tu le fais sur toi, ben ça te heal. Et si tu le fais sur quelqu'un d'autre, comme lui par exemple, ça va lui infliger des dégâts. Bon, là, je suis libre. Tiens. Quoi? Absurde. Et oui, on gagne. Je suis pas habitué à regarder la petite barre de l'Alliance parce que d'habitude je joue beaucoup en PvP avec la Horde. Mon guerrier fureur est justement dans la Horde. Oh, il est mort, putain. Non! Qu'est-ce qu'il me veut, lui? On va essayer un petit peu. Ça, c'est le fun avec le paladin. Ça tu peux. C'est comme un guerrier qui peut te heal. Un guerrier de la lumière qui peut se heal, c'est vraiment assez utile. Quoique mon heal, il est pas, c'est pas le meilleur au monde. Ça fait la job, comme on dit en québécois. Ça, c'est déjà mieux que le guerrier. Le guerrier, quoi, qu'il y a quelques petits heals, comme je pense qu'il y a un talent qu'on peut. Je sais trop comment il s'appelle, mais en tout cas, t'as un heal. Mais il est vraiment pas comme le paladin. Ah, je devrais dessus. Oh, pis tout bad, je... Et je vais me faire défoncer. Eh oui. Eh oui, défonçage de paladin. Non, j'ai oublié de mettre ma bénédiction des rois. Non, moi je m'en vais. Tiens. Putain, il me défonce. Ouais, comme je vous disais, je suis vraiment un stuff, alors ça va être un peu plus compliqué. Bordel, regardez ma vie. Bon. Ah, en plus, il gagne. Bon, c'est pas grave. Désolé. Bénédiction des rois. J'aime le nom de sa guilde. C'est... On était nul dans la Horde. Ok. Tiens, ici, on va aller se faire la petite chasseuse. Avec quelqu'un de compagnon. Non! Oh! Mais c'est quoi cette merde? On se fait défoncer, mais on dirait qu'on se pend dans leur gueule, c'est fou. Ah, c'est chiant. En plus, j'ai pas un très bon ration du 1-3. C'est pas terrible. Allez. Il contrôle trop tôt. Oui, ça je sais qu'il faut récupérer une tour, bordel. Ah yes, on l'a fait. Et tiens, pourquoi on irait pas là? Oh, faut que je reste là-dedans. Et justement aussi, en parlant de... Tantôt je disais que j'avais up mon paladin niveau 100. Il n'y a pas très longtemps, je suis en train de me stuff... désolé. De me up un voleur, en fait, que j'avais commencé il y a quand même longtemps, que j'avais arrêté, je pense, au niveau 20 ou 22. Qu'est-ce que je fais, la tournée rond? Que j'avais arrêté au niveau 22, à peu près, et que j'ai repris. J'ai repris en achetant du stuff héritage. J'en ai pas acheté beaucoup parce que je suis assez pauvre. Regardez, j'ai ruiné mes deux personnages principaux, comme mon paladin et mon guerrier. Ils sont ruinés.
Pour m'acheter des pièces d'armure héritage, et c'est un voleur combat, alors je sors le hop, il est déjà niveau 45, 46, je sais plus, 45 je crois, et déjà ça avance, et j'espère un jour faire des vidéos de PVP avec lui, ce que j'espère, parce que ça risque de prendre beaucoup de temps, et j'ai jamais réussi à mettre un personnage niveau 100, seulement le hoppant avec des quêtes. À la manière traditionnelle, j'ai toujours acheté des sésames comme mon guerrier. C'est le sésame que j'ai utilisé avec World of Draenor. Et mon paladin, eh bien, au début, je voulais le hop. Oh putain, j'y vais pas moi. C'est là, c'est. Au début, j'étais supposé le hop tout seul, comme à la manière traditionnelle. Mais finalement, j'ai succombé à la tentation et j'ai acheté un. Comment ça s'appelle déjà? Un sésame pour le niveau 90. Alors, c'est ça. J'ai aussi un chaman que j'avais fait quelques vidéos de PVP avant avec. Mais que j'ai pas hopé niveau 100 parce que, premièrement, je le trouve vraiment poche le chaman en ce moment en PVP. Et en PvE aussi, je le trouve plutôt poche, useless. Alors, c'est pour ça que j'ai pas la motivation pour le monter à niveau 100, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est ça. C'est tout, on va mettre ça. On va te laisser avec mon verdict. Non, je sais plus trop comment ça va. Tiens. Oh, non, non, laissez-moi. Non! Ouais, alors ça, je disais, mon chaman. C'est un chaman élémentaire, je crois, que j'ai abandonné un peu. Je pense qu'il est niveau 91, presque 92. Et ça me tente pas de up pour l'instant. Peut-être qu'un jour je vais le faire, mais pas pour l'instant. Alors, c'est ça. Bon, là, déjà. On perd encore. Ah, deux kills pour un mort de plus. C'est dommage. Et aussi par rapport au... J'avais oublié de vous parler de ça. Par rapport aux vidéos de League of Legends qu'il y avait eu sur ma chaîne, eh bien, je crois... mon collègue m'en a pas encore reparlé, mais je crois qu'il va arrêter ça parce que bon, je sais pas pourquoi il m'en parle plus vraiment de ces vidéos-là de League of Legends. Alors, je pense que ce projet-là il va avorter tôt après quelques vidéos. Alors, ça se peut qu'il n'y ait plus de vidéos de League of Legends sur ma chaîne. Désolé pour ceux qui étaient abonnés pour ça. Je crois pas qu'il y en ait tant que ça qui sont abonnés pour ça, mais bon. Ça peut être drôle de savoir quelques personnes. Des fois, il y en a qui jouent à WoW et à League of Legends. Ils sont comme, oh mon dieu, il faut aussi des vidéos de League of Legends. Oh my god. C'est rendu mon YouTube préféré. Mais bon. Alors, c'est ça par rapport aux vidéos de League of Legends. Désolé pour ceux qui l'écoutent, qui écoutent ça, mais c'est pas ma faute. C'est lui qui m'en parle plus alors qui n'en fait plus. Alors, je pense que je vais m'axer beaucoup plus. Cette chaîne va beaucoup plus axer sur WoW. Ben, déjà qu'elle l'était plus. Mais. On va être quasiment juste du WoW. Ça se peut que des fois il y ait des vidéos de League of Legends. À la limite, ça se peut que des fois il y en ait, mais ça va être très très rare si. Parce qu'il m'a pas dit qu'il arrêtait, mais pour moi ça veut dire qu'il arrête un peu. Fait que. Il n'y en aura pas pour un bon bout de temps. Quoi? Bouclier divin, ça c'est vraiment OP. Comment ça, j'aurais pas de la rater, ça fait chier. Comment? Qu'est-ce qui arrive? What? Bon, enfin! Bordel. C'était une quoi cette affaire-là? 18. Bon, c'est perdu. Oh, bordel. Oh, mais c'est quoi ça? Les voleurs, c'est juste OP, bordel. Désolé. Bon, ben, c'est déjà perdu. Mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit, je suis normalement unstuff, alors c'est à peu près normal que j'ai un ratio de merde. Bon, c'est ça. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé. Mettre un like si vous avez aimé, justement. Et mettre un commentaire pour dire ce que vous avez aimé ou pas aimé, ou des trucs du genre. Alors moi, je vous dis bye, à bientôt.